Salut mes amours, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des 10 choses que toutes les femmes devraient savoir. Et j'espère vraiment que vous allez aimer cette vidéo. Je ne vais pas perdre le temps, on se lance directement. La première des choses que toutes les femmes devraient savoir et qui nous aide vraiment, au fait, qui m'a déjà aidée dans plusieurs situations, est d'utiliser ton sourire et tes yeux. Oui les filles, que vous ayez un entretien, que vous ayez une présentation, quoi que ce soit, même si c'est du travail, des études, utilisez toujours votre sourire et vos yeux, non seulement pour obtenir ce que vous voulez, mais aussi pour montrer que vous êtes confidente. Oui, confidente. Donc, souriez toujours. Et bien sûr, souriez aussi avec les yeux. Et n'oubliez pas de fixer la personne dans les yeux. Fixez toujours dans les yeux et arrêtez de tout le temps. Fixez dans les yeux. N'ayez pas peur. La personne ne va pas vous manger. Puisque je vous regarde, je ne vais pas vous manger non plus. La deuxième chose est d'utiliser l'huile de coco pour enlever votre maquillage, pour vous oindre sur tous les coudes et les genoux et les mains, les doigts et tout. Et bien sûr, vous blanchir les dents. Oui, les filles, l'huile de coco aide aussi à blanchir les dents ou à vous gargouiller et vous débarrasser de la mauvaise haleine. Prenez juste une cuillère d'huile d'olive ou deux cuillères si vous voulez. Mettez dans votre bouche, gargouillez-vous la bouche. Et ensuite, crachez. Faites ceci chaque jour. Vous allez avoir une haleine fraîche. Et bien sûr, vous allez aussi être débarrassé des plaques, des infections et de tous ces trucs-là dont nous avons dans la bouche. Je vous assure, rassurez. Et sans toutefois oublier, ça vous débarrasse aussi de la nausée. Oui, les filles, n'oubliez pas, utilisez l'huile de coco à tout moment. La troisième chose que les femmes devraient savoir est de laisser le vagin respirer. Vous savez que je ne peux pas faire une vidéo sans parler de vagin, non? Laissez votre vagin respirer, les filles. Que ce soit filles, femmes, mes tantes, mes soeurs, mes cousines et tout le monde qui me suit sur YouTube, Facebook, Instagram, laissez votre vagin respirer, je vous en prie. Pendant les week-ends, portez une robe, que ce soit un boubou africain, que ce soit une robe, que ce soit un jean, quoi que ce soit. Essayez de ne pas mettre le sous-vêtement. Essayez de marcher sans sous-vêtement. Laissez votre yoni respirer. Et aussi, allez au lit sans sous-vêtement. Laissez votre yoni respirer. Non seulement ça, ça donne de la vitamine D à votre yoni quand vous l'ouvrez et vous le présentez au soleil. Oui, je vous le promets. Présentez votre yoni au soleil et vous allez voir une grande différence. Elle va rester jeune, elle va rester fraîche et elle sera très heureuse. Bien sûr, sans toutefois oublier mon bicarbonate de soude, vous savez, je ne peux pas oublier cela. Utilisez le bicarbonate de soude comme pâte dentifrice pour avoir des dents blanches ou utilisez le bicarbonate de soude comme déodorant sur vos aisselles si vous n'avez pas de déodorant. Bien sûr, vous pouvez aussi utiliser le bicarbonate de soude pour éliminer les odeurs dans votre frigo ou juste pour vous blanchir les doigts. Oui, les filles, le bicarbonate de soude peut vous blanchir les doigts et non les droits. Si vous avez une bouteille de vernis ou plusieurs bouteilles de vernis et vous n'arrivez pas à les ouvrir, attachez juste une fronde autour de votre vernis et ça va s'ouvrir très facilement. Je vous le promets, essayez-en et dites-moi. Une chose dont toutes les femmes devraient savoir, là je vous assure, c'est vraiment nickel. J'adore. Mettez vos chaussures dans votre chapeau de bain si vous êtes en train de voyager et mettez dans votre sac. Ça ne va pas du tout salir vos habits et bien sûr, ça ne va pas mettre des microbes sur vos vêtements. Promis. Ce message s'adresse à celles-là qui ont des gros tétons et parfois quand elles portent des robes, le téton se montre sur les robes et tout. Pour couvrir vos tétons, prenez juste votre coton disque, prenez un coton disque ou deux cotons disques, appliquez sur votre soutien à l'intérieur bien sûr et vous êtes débarrassé des tétons qui se montrent à tout moment, je vous le promets, c'est ce que je fais moi-même. Pour avoir de l'énergie chaque matin et bien sûr perdre un peu de graisse au niveau du ventre et du visage si vous avez un visage rond comme le mien, je vous demande de boire un verre d'eau avec du citron à l'intérieur et une cuillère de vinaigre de cidre. Je vous promets, vous allez voir une grande différence après 2 semaines ou 3 semaines. Pour celles-là qui ont
les chaussures qui sentent, ne vous dérangez pas, j'ai une très bonne astuce pour vous. Prenez juste une vieille paire de chaussettes, mettez du bicarbonate de soude à l'intérieur, attachez et mettez dans vos chaussures chaque soir après le travail. Le matin quand vous vous réveillez, il n'y a pas d'odeur, pas du tout. Parti, fini. Et faites cela chaque soir juste pour ne pas avoir d'odeur dans vos chaussures. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, ma petite famille. C'est vrai, il y a plein de choses que les femmes doivent savoir. Et si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, dites-moi juste sous les commentaires et je vais faire plus de vidéos. Mais c'est tout pour cette vidéo. Je vous embrasse très fort, je vous aime et je vous remercie tout au fond de mon cœur de regarder mes vidéos et de me suivre. Vous êtes très, très, très exceptionnels. Exceptionnels. Allez, gros bisous à vous et on se verra dans ma prochaine vidéo. Bisous. I'm out of here. Bye bye.